Lala, na ta jumala, kina sta ja jumala, jau ham na una, fil kalpita lala. Salut à tous depuis la Fermiotique. Aujourd'hui, fabrication de la niche du chien avec du bois de récup. On vient à la palette, la toile en plastique et des restes de planches. C'est parti. Pour commencer, j'ai posé une palette sur 4 demi-briques allongées, puis j'ai créé une structure avec des planches de palette. Donc on va commencer avec du contreplaqué, on va visser au sol. Donc comme vous pouvez le voir, il reste encore un emplacement à remplir avec la planche. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre les mesures et découper deux morceaux avec lesquels je pourrais remplir le sol pour la niche. Je vais prendre la largeur. On est à peu près à 18 cm de largeur. Voilà. Je vais prendre le côté le plus long là, donc celui-là. Je vais le découper à 18 cm. Et remonter jusqu'au bout, jusqu'à 10 cm. Voilà. Et je devrais en faire un deuxième à mon avis pour pouvoir fermer complètement le sol de la niche. C'est parti. Pour faire avec les moyens du bord, bien sûr. Voilà ce que ça donne avant de visser. Voilà. Vous pouvez visser les deux planches que j'ai récupérées et placées. Et je vais couper ça à la scie sauteuse. Oui, c'est quoi? C'est une cabane pour le chien. Bouge pas. J'aime bien coucher là-bas. Regarde ce que je fais, regarde. Après, on va mettre la vis là. Et voilà. Maintenant, on va couper, d'accord? Ouais. Regarde comment je fais, regarde. Donc après avoir mis le plancher, on va s'occuper de tous les contours avec des palettes. Mais avant ça, vu que mes palettes sont un peu petites, je vais rajouter des planches. Enfin, deux planches sur les côtés. Hop, hop. Pour pouvoir les mettre en horizontale. C'est parti. Après ça, on coupe. Donc on va utiliser ces planches déjà avec leurs clous. Voilà. Vu leur taille, j'étais obligé donc d'ajouter deux planches latérales pour pouvoir les mettre horizontalement. C'est ce qu'on va essayer de faire, donc on va économiser des vis et des clous
parce qu'on va réutiliser les clous déjà qu'on a récupérés. Donc voilà ce que ça donne pour un premier côté, bien isolé, qu'avec des planches de récup. Donc là, on va placer cette planche là pour stabiliser la niche. Allez, se mêle bien. Comme vous pouvez voir, on garde les clous d'origine. Total récup. Voilà ce que ça donne après avoir terminé le bardage. Donc la première étape, la plus longue, est terminée.
On va s'attaquer maintenant, je pense, à la forme de la porte d'entrée, le perçage pour les points de repère pour la scie sauteuse et la découpe. C'est parti pour la deuxième étape.